Nous sommes dans la partie du jardin où nous avons commencé nos expériences permacoles il y a 3 ans. Alors comme chaque année, on a fait une lasagne entre bottes de paille. Ça marche vraiment bien. Regardez la taille des végétaux. On les a plantés il y a tout juste 2 mois. Ça se développe vraiment bien. On voit, on a mélangé nos fleurs, nos légumes. On a un petit haricot ici qui est en train de grimper sur un tournesol. La tomate qui n'est pas encore très grande mais qui est déjà en fleurs. Donc tout va bien. On voit d'ailleurs que le niveau de la lasagne a commencé à baisser puisqu'on était un petit peu plus haut que les bottes de paille et là ça a commencé à se composter, ça a commencé à se tasser, les plantes ont commencé à bien se nourrir de ce compost en cours et c'est pour ça que ça donne vraiment bien. Là nous sommes devant notre tour à pommes de terre, c'est la première année où on la réalise vraiment dans les règles. La seule chose qu'il aurait fallu c'est monter la tour au fur et à mesure de la pousse du feuillage. Malheureusement en un week-end ça avait pris plus de 15 cm. Donc on ne pouvait plus rajouter de matière au pied. Normalement, dès que les feuilles dépassent de la terre, de la matière, du compost qu'on rajoute au fur et à mesure, on en remet. La feuille pousse un petit peu, on en remet. Elle repousse un peu, on en remet. Là, c'était trop tard. Mais bon, je pense qu'on devrait avoir une bonne récolte vu la quantité de feuillage qu'il y a. Alors là, ce sont les planches plates. Dans les planches plates, il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres un petit peu moins bien. On a notamment eu un souci avec des altises. Les altises sont des petits insectes qui viennent manger les feuilles. Elles ont par exemple ravagé le mesclun, le Mizuna, qui est un mesclun absolument délicieux, parfumé. Donc on a dû l'arracher parce qu'il était vraiment tout abîmé. Et on en a ressemé, donc qui va sortir. Ça explique qu'on ait mis ces petits filets à insectes. C'est pas tout à fait suffisant parce qu'on voit qu'il y en a qui sont passés à l'intérieur. Une technique pour s'en débarrasser, c'est de bien mouiller le sol et de pailler, parce qu'ils n'aiment pas l'humidité. Alors on l'a fait, ça a marché moyen. Par contre, les haricots, eux, sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment bien partis. Là, on va avoir une belle récolte. Dans les deux planches, il y a beaucoup de haricots. On a voulu à nouveau faire un test avec des carottes dans notre terre. Elle est assez argileuse, pleine de cailloux, donc c'est pas facile pour les carottes. Mais à force de travailler les planches plates, on a une terre beaucoup plus fine, donc ça risque de bien fonctionner. On a ressemé le Mizuna. Voilà, les laitues n'ont pas fonctionné. Et les choux chinois, on les devine, là, ils ont été très abîmés par les altises. Et pour compléter la lutte contre les altises, pour compléter le filet, on a fait une pulvérisation avec un mélange de différents purins. Le traitement vient d'être fait, donc on va attendre quelques jours pour voir ce que ça donne. Et on refera un deuxième petit traitement avec ce mélange de purins, histoire d'éliminer ceux vraiment qui sont passés en ombre sous le filet. Nos deux buts en fer à cheval. Donc là aussi, ça a bien démarré. On a une patate douce ici qui est comme en train de bien couvrir le sol. Elle est vraiment mise dans un endroit où elle est vraiment face au soleil. Hein, une patate douce a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil pour se développer. Donc là, elle est parfaite. Sur la butte en plus, qui l'expose encore un peu mieux. Au centre des deux buttes, il y a un kiwai. Alors cette année, il va bien. On voit, il est plein de petits fruits, il est assez beau. L'année dernière, c'était pas tout à fait ça. On avait planté à son pied un haricot à rame qui avait beaucoup poussé, qui l'avait même un peu étouffé. Donc là, cette année, je suis ravi, il est vraiment bien. Je vois qu'il y a un petit pois de senteur qui part dedans, mais ça, c'est pas grave, c'est joli. Et puis, on peut voir, il y a des courgettes. Là, c'est de la courgette ronde, des courges, des betteraves, de la bourrache, des œillets d'Inde, bien sûr. Donc, tout ce petit monde a l'air de se développer correctement. Là, je suis devant la marque qu'on a créée, c'est sa deuxième année. Dans l'ensemble, on est assez content du résultat. Il y a une faune et une flore qui se sont bien installées. Nos différentes plantes aquatiques de berge ont plutôt bien fonctionné. La menthe aquatique là-bas est bien. On a pas mal de petits insectes, ça c'est intéressant. On a beaucoup d'abeilles qui viennent boire sur le côté plage un peu, là-bas vers le trop-plein, là où il n'y a pas beaucoup de fond. On a une grenouille chanteuse qui s'est installée là, on a même vu un triton. L'effet pour la biodiversité de la mare se vérifie vraiment. On a des libellules, on voit des oiseaux venir boire aussi. Donc tout ça participe à la pollinisation du jardin. Les oiseaux vont manger peut-être des insectes indésirables, comme des pucerons, comme des petites chenilles, des tantraides, des larves de tantraides. Donc la mare vraiment commence à bien jouer son rôle écologique. Elle n'est pas filtrée, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Les plantes filtrantes font leur office. Les moules d'eau douce aussi au fond, ce qui fait qu'on a une eau qui est relativement claire. Donc on est assez content du résultat. On était très content des résultats dans notre lasagne entre cadres de bois de l'année dernière. Donc on a replanté cette année potiron, potimarron, courge, tournesol, tout se développe bien. Et on a décidé de faire 2 nouvelles lasagnes entre planches,
enfin c'est même des madriers là. On les a créés au début du printemps. On a mis tout de suite la matière, la paille, le gazon, etc. Et on a planté dedans tout de suite et on voit que ça se développe vraiment très très bien. L'avantage des lasagnes, c'est qu'on les met en place au début du printemps et tout de suite on plante et pratiquement tout de suite ça pousse. Donc à nouveau, on va retrouver nos tomates, nos courges. Derrière moi, j'ai un concombre qui commence à bien donner. On a fait cette petite pergola avec des grilles. Ça va nous permettre de faire grimper justement ces plantes un peu exubérantes que peuvent être les potirons, les courgettes, etc. Donc ça va monter dans les grilles, ça va gagner de la place au sol et ça va donner un petit côté amusant à ce passage. Et puis on espère aussi que les tomates vont arriver à gagner le haut comme ça. Donc il n'y aura pas de problème d'ombre. En plus, on est dans un des coins les plus lumineux et les plus chauds du jardin. Donc tout ça ne devrait pas poser de problème au développement de tous ces légumes. Là, c'est la spirale aromatique. On n'a rien fait de particulier cette année. La plupart des plantes sont reparties. J'ai été inquiet pour la sauge parce que comme vous voyez, elle a pas mal séché. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais elle est en train de repartir. Elle avait pratiquement plus de tiges vertes et là, ça y est, ça repart. Alors, il va nous rester à la nettoyer hein, parce que là, c'est franchement pas joli. On voit que les agastaches sont vraiment en fleurs. C'est rempli de butineurs à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment intéressant. Pareil pour l'origan qui est en fleurs derrière. Il est couvert de butineurs à l'œuvre. On voit que le restaurant d'entreprise est venu déjà prélever pas mal de ciboulettes. Donc ça, c'est sympa. La ciboule est toujours aussi phénoménale. Et nos petites verveines à fleurs qu'on avait mis là pour attirer encore plus de butineurs sont reparties, elles se sont même ressemées au pied, à droite, à gauche. Donc ça, peut-être que l'année prochaine, on réduira un petit peu leur emplacement. Mais normalement, c'est considéré comme une annuelle parce que c'est une plante qui est gélive. Et il n'a pas fait froid du tout cet hiver, donc elle est vraiment repartie de façon impressionnante. Et on a le thym, là, qui n'est pas très joli là au milieu. Mais c'est pareil, on va nettoyer, on va couper. On voit qu'il y a encore plein de vers partout, donc ça devrait repartir sans problème. Dans les deux buttes, ça se passe bien aussi. On voit que dans la butte forestière, la tomate est bien partie. Elle est en train de grimper à l'assaut du tipi. Les œillets d'Inde sont absolument fantastiques. Et je vous rappelle que ce sont des semis spontanés des plantes qui étaient là l'année dernière. Dans la butte maraîchère derrière, on voit aussi que les tomates sont bien parties, les œillets, il y a des salades qui viennent d'être replantées parce que comme ici, on voit qu'elles sont prêtes à être récoltées. Donc on a replanté tout de suite derrière d'autres salades. Là ici, sous l'albizia, nous avons notre butte ronde en spirale. Alors on voit que là aussi, ça pousse plutôt bien. Les blettes se développent. On a les topinambours qui sont absolument magnifiques. Alors eux, ils sont repartis d'eux-mêmes. Il restait quelques bulbes dans le sol quand on les a récoltés l'année dernière. Ils ont survécu tout l'hiver et ils sont repartis. Ça fait vraiment des tiges impressionnantes. Les salades derrière moi sont prêtes à être récoltées. On en a replanté pas mal d'autres petites parce qu'on a déjà fait des récoltes. Et toujours mélangé avec nos légumes, on a quelques petites fleurs. Donc ici, ce sont des verveines à fleurs. Ça va attirer les pollinisateurs, ça va dérouter les ravageurs qui ne vont pas voir des masses de légumes qu'ils adorent devant leurs yeux, mais plein de couleurs, plein de choses différentes. Et puis derrière moi, sous le feuillage, on voit qu'il y a beaucoup de pommes de terre qui sont en train de pousser. Alors on va attendre que le feuillage jaunisse pour les récolter. Si on voulait des pommes de terre nouvelles, on les ramasserait un petit peu avant. C'est-à-dire que d'ici quelques semaines, quand le feuillage est encore un peu vert, on vient les ramasser et ça donnera des pommes de terre nouvelles. Et ici, dans cette butte forestière, qui est la première qu'on a réalisée, on a remis des tomates. Alors cette année, on en a mis beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait au moins une dizaine de pieds de tomates. Là, il n'y en a que 4. On veut vraiment qu'ils aient la place de se développer parce qu'on ne les taille pas. On les laisse pousser naturellement. Et vous vous demandez sans doute ce que c'est que ces petites cordes là qui pendouillent. On a vu dans une vidéo ce système pour accrocher les tomates au fur et à mesure qu'elles poussent. On a trouvé que c'était sympa. Donc on a voulu essayer la même chose. Et puis au bout de la butte, on a remis encore une citrouille, une courge. Ça pousse bien dans ces buttes qui sont très riches. Elles aiment cette matière vraiment chargée, vraiment riche et elles se développent très bien. Et puis, il y a quelques petites salades encore qu'on a repiquées il y a quelques jours.